Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler anecdotes, faits et informations autour de la saga Harry Potter. Je dirais même que je vais vous révéler 7 secrets autour de la saga. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Harry Potter, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour avoir toutes mes photos en lien avec Harry Potter et un petit peu plus sur ma vie privée. Enfin, pas tout non plus. N'hésitez pas également à me mettre dans les commentaires de cette vidéo quel est pour vous votre personnage préféré. Et si vous voyez dans les commentaires qu'il est déjà noté, n'hésitez pas à liker le commentaire pour qu'on fasse une mini compète. Perso, c'est Bellatrix Lestrange. Si vous êtes fan de ce personnage, n'hésitez pas à liker mon commentaire pour qu'on puisse gagner. C'est parti pour les 7 secrets sur Harry Potter. Secret numéro 1. On connaît tous comment débute la saga Harry Potter avec le fameux bébé, le fameux petit Harry Potter qui naît à Godric's Hollow et qui va se retrouver orphelin suite à l'assassinat de ses deux parents par le fameux Voldemort. Dumbledore décide alors de placer le jeune Potter chez les merveilleux Dursley. Bon, on va pas se mentir, on peut pas dire que ce soit la famille la plus accueillante. Petunia, Vernon et Dudley vont alors haïr au maximum Harry Potter et lui en faire baver toute son enfance et même toute son adolescence. La relation entre Harry et son cousin Dudley est atroce, on le sait. Entre les caprices, les moqueries, le bizutage ou encore l'esclavage, bref, on est sur une relation un petit peu spéciale. Mais ce qui devient intéressant, c'est ce qu'il se passe des années après, la relation que continuent d'entretenir les deux cousins. En effet, il faut déjà rappeler, c'est important, que Dudley est le seul de la famille Dursley à faire ses au revoir à Harry Potter. On n'est pas non plus sur un gros câlin ou une accolade, mais déjà sur du respect, et ça, c'est quand même le signe d'un premier changement de comportement de la part de Dudley. Et c'est J.K. Rowling qui donnera l'information qu'adultes, Dudley et Harry s'échangèrent des cartes pour Noël et qu'ils se verraient occasionnellement pour se faire rencontrer leurs enfants. Car oui, Dudley s'est marié et il a même eu 2 enfants. Et oui, c'est possible. Je trouve personnellement que c'est une information assez étonnante quand on voit à quel point il aurait été facile pour les deux personnages de couper totalement court à toute relation vu le passé qu'ils avaient. Et comme disait J.K. Rowling dans L'Ordre du Phénix, tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. Bon, je vous la fais pas en anglais et puis je vous laisse méditer là-dessus. En fait non, on va passer au secret numéro 2. On va parler cette fois-ci de la famille Weasley et plus particulièrement de 2 personnages assez fun et assez populaires dans la saga Harry Potter. Je parle bien évidemment des jumeaux Fred et George Weasley. Les deux farceurs sont nés un 1er avril et ils vont grandir ensemble au terrier avant d'aller à Poudlard à leurs 9 ans. Fred et George sont répartis à Gryffondor et quitteront Poudlard majestueusement sans passer leurs examens quand Umbrage sera aux commandes du château. Les deux frères vont alors créer leur boutique Farce pour sorciers facétieux sur le chemin de traverse et ils auront au début l'aide financière d'Harry pour tout simplement lancer leur boutique. Avec leurs premières expériences de vendeurs dans l'ombre à Poudlard et également grâce à leur univers bien à eux, le succès de la boutique est énorme. Les deux frères vont par la suite participer à la bataille de Poudlard et malheureusement, Fred Weasley va mourir. George, qui lui, survit, doit alors faire face au deuil de son jumeau avec qui il partageait tout. Il a probablement perdu l'être qui lui était le plus cher au monde. Mais il continuera son chemin, se mariant à Angelina Johnson et élevant leurs 2 enfants, Roxane et Fred, bien évidemment ce dernier portant le prénom de son frère en hommage. Bon, vous allez me dire où est l'information croustillante. Justement, j'y viens. Ça a dû être très difficile pour George de reprendre son travail sur le chemin de traverse dans sa boutique sans son jumeau. Mais en réalité, il n'a pas été seul. C'est son frère Ron Weasley qui va le rejoindre pour tenir les rênes de Farce pour sorciers facétieux avec lui. Effectivement, Ron va abandonner son prestigieux poste au bureau des Aurores auprès de son meilleur ami Harry pour venir auprès de son frère. Quand on connaît les valeurs de la famille pour les Weasley, on ne peut que saluer le geste de Ron. Secret numéro 3. Je ne vais pas vous parler d'une rumeur autour d'une série dans l'univers d'Harry Potter, mais bien d'un choix qui a dû être fait par les premiers réalisateurs des Harry Potter et également par J.K. Rowling en personne. Lorsqu'il a été décidé d'adapter les romans Harry Potter au cinéma, la question s'est posée du format que pourraient prendre justement ces Harry Potter. Il aurait ainsi été envisagé de faire des dessins animés à la place des films dans un premier temps, ou bien même de regrouper plusieurs livres dans un seul film. On aurait ainsi pu avoir notamment un condensé de plusieurs années à Poudlard dans un seul film. Au final, on le sait, la décision a été radicalement opposée, car chaque livre possède son adaptation cinématographique qui correspond à une année à Poudlard, et ces derniers font entre 2h10 pour le plus court et 2h40 pour le plus long. Et comme vous le savez sûrement, on a même 2 parties pour Harry Potter et les Reliques de la Mort. Je pense qu'ils sont loin de s'être trompés au niveau du format. Secret numéro 4. On va s'intéresser maintenant à mon personnage préféré de la saga Harry Potter. J'ai nommé la diabolique, cruelle, antipathique Bellatrix Lestrange évidemment. Au-delà de la folie du personnage, on est tous d'accord sur l'interprétation exceptionnelle d'Helena Bonham Carter dans son rôle de l'hystérique Lestrange. Souvenez-vous maintenant de la fameuse scène à Gringotts lorsque nos héros veulent récupérer un petit horcrux enfermé dans la chambre forte, justement, de Madame Bellatrix. Après un petit shot de polynectar, c'est Hermione Granger, toute tremblante, dans la peau de Bellatrix, qui se risque à rentrer dans la fameuse chambre forte. En réalité, pour tourner cette scène, c'était vachement complexe. Il fallait que ce soit Helena Bonham Carter, qui a donc l'apparence de Bellatrix, qui joue en ayant le mental et les réactions d'Hermione Granger
interprétée elle par Emma Watson. Et afin d'avoir les mimiques les plus réalistes possibles et de jouer au mieux ces scènes dans la peau d'un autre personnage, Helena Bonham Carter a demandé à Emma Watson de jouer les scènes avant pour pouvoir s'imprégner au mieux de son personnage. Et franchement, on peut dire que le résultat est plutôt bluffant, et une nouvelle fois, on remarque à quel point Helena Bonham Carter est une actrice talentueuse à souhait. D'ailleurs, autre petite anecdote, c'est cadeau, pour mettre en œuvre le sortilège Gemino, qui est donc le sortilège de multiplication des objets dans la chambre de Bellatrix Lestrange, ce sont des milliers et des milliers de fausses pièces d'or ou autres objets métalliques qui ont été recréés par les designers de la saga. On peut constater le processus de fabrication, des anecdotes sur les gobelins ou encore sur les secrets de Gringotts directement au studio Harry Potter dans la nouvelle extension qui est ouverte depuis 2019. Et franchement, visiter la chambre forte de Bellatrix Lestrange, c'est assez incroyable. Secret numéro 5. Il a été envisagé que J.K. Rowling soit actrice dans sa propre saga au cinéma. Enfin, envisagé n'est pas forcément le mot. Il a été plutôt proposé à J.K. Rowling de jouer. Et en plus, c'était pas n'importe quel rôle, c'était le rôle de Lily Evans ou Lily Potter. Nous aurions pu la voir dans la peau de la femme de James Potter, à la fois dans la scène du miroir du Rized dans Harry Potter à l'école des sorciers, mais également dans d'autres scènes lorsque les parents d'Harry apparaissent dans la coupe de feu par exemple, ou bien en contact de la pierre de résurrection. Mais tout ça n'est pas arrivé pour une raison. Bonne ou pas, je ne sais pas. Mais c'est J.K. Rowling elle-même qui a refusé à l'époque l'offre de Chris Columbus, qui était le réalisateur d'Harry Potter à l'école des sorciers. En effet, elle ne souhaitait pas jouer dans sa propre saga. Elle a expliqué qu'elle ne se sentait pas de prendre un rôle d'actrice, ce qui est tout à son honneur d'avoir voulu rester entre guillemets dans le retrait de cette œuvre. C'est au final l'actrice irlandaise Geraldine Somerville qui apparaîtra dans Harry Potter à l'école des sorciers pour la première fois, puis dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ainsi que dans Harry Potter et la coupe de feu, mais aussi l'ordre du phénix, le prince de sang mêlé et le relique de la mort, partie 1 et partie 2 quand même. On n'était pas juste sur un petit rôle dans Harry Potter à l'école des sorciers. Néanmoins, je trouve à titre personnel que la métaphore aurait pu être super belle, car J.K. Rowling aurait ainsi incarné la mère de Harry Potter, sachant qu'elle a elle-même créé Harry Potter. Enfin bref, on n'est pas là pour faire de la philo non plus, mais ça aurait pu quand même être sympatoche. Secret numéro 6, et avant-dernier d'ailleurs. Quelle est la place de la religion dans Harry Potter? Sujet délicat, n'est-ce pas? C'est sur Twitter, réseau social favori de J.K. Rowling et qu'elle privilégie depuis plusieurs années pour interagir avec les Potterheads et répondre à certaines interrogations sur la saga, qu'elle a justement évoqué ce fameux sujet. Elle a alors annoncé que parmi les personnages à Poudlard, toutes les religions étaient représentées, sauf les Wiccans. En tout cas, cela n'a fait que confirmer de nombreuses hypothèses et indices qui étaient déjà glissés dans les livres et dans les films, comme par exemple la représentation des fêtes de Noël ou encore l'existence parmi les fantômes d'un moine. On sait d'ailleurs que ce moine, appelé Moine Gras, va se consacrer à la religion après des études à Poudlard et qu'il sera exécuté par des dirigeants de l'église suite à des capacités douteuses qu'il aurait pour guérir des patients autour du 10e siècle. En bref, en sortant de Poudlard, il se serait tourné vers la religion et aurait utilisé plus ou moins ses pouvoirs pour guérir des patients, ça serait pas très très bien passé. Il n'empêche qu'on est quand même sur une notion de religion dans Harry Potter. Par ailleurs, il n'existe pas d'informations concernant une communauté religieuse au sein du monde magique par exemple. On peut également noter que suite au succès mondial d'Harry Potter, la saga a également été confrontée à une controverse religieuse. Des personnes auraient critiqué et dénoncé le contenu de la saga, faisant appel jusqu'à l'interdiction des livres dans des écoles aux États-Unis. J.K. Rowling, par ailleurs, a elle annoncé plusieurs fois publiquement ne pas avoir voulu encourager des enfants vers la sorcellerie. Secret numéro 7, aka le tout dernier. Est-ce que cette petite voix insupportable est insupportable? Oui, je crois. Bon, j'arrête. Poudlard, c'est le lieu par excellence qui représente totalement la saga Harry Potter. C'est l'école de sorcellerie à laquelle on aurait tous aimé étudier, et personnellement, j'ai encore de l'espoir. Et pour vous, bah, j'ai quelques petites anecdotes sur ce lieu. Et même deux. Déjà, je vous pose la question, est-ce que vous saviez ce que contenaient les sabliers des différentes maisons de Poudlard? Vous savez ce qui est compté pour utiliser les points et pour désigner un vainqueur à la fin de l'année? Eh bien, symboliquement, c'est de l'émeraude pour les serpentards, du saphir pour les serres d'aigle, des rubis pour les griffons d'or et pour les poufsouffles alors. La question restait totalement sans réponse jusqu'à l'intervention de J.K. Rowling une nouvelle fois sur Twitter. Elle a ainsi affirmé que le sablier des poufsouffles renfermait des diamants et elle a rajouté que certains étaient à un état plus brut que d'autres. Joli clin d'œil pour sa maison chouchoute, et c'est également sur Twitter qu'elle a annoncé que Newt Scamander appartenait lui-même à cette maison. Autre petit fait sur Poudlard qui concerne cette fois-ci les costumes.
qu'est-ce que je vais vous sortir? Comme vous vous en doutez, il y a eu de nombreux figurants dans les couloirs de Poudlard ou même encore dans la grande salle lors des banquets et lors des prises de vue pour les films. Chaque élève était habillé avec un costume bien particulier et des éléments qui rappelaient sa maison. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire avec les robes de sorciers et les déguisements Harry Potter qui sont vendus en produits dérivés aujourd'hui, lors des tournages, les capes de sorciers n'étaient pas doublées aux couleurs des maisons de Poudlard. Pour des questions pratiques, chaque costume était identique et ce sont les écussons, les écharpes, les gants ou encore les cravates qui venaient rajouter la maison de Poudlard sur les différents élèves pour pouvoir les différencier. Perso, moi je serais allé à Serpentard. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Il était temps pour moi de refaire une vidéo un petit peu information sur Harry Potter avec des petites recherches comme ça que j'ai pu faire. J'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez peut-être appris quelques petites choses pour les moins curieux peut-être, ou pour les curieux quand même. Je sais pas ce que je dis. Il est possible du coup que vous soyez déjà au courant de certains faits si vous étiez déjà renseigné. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire cette vidéo et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir si celle-ci vous a plu. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines le samedi à 10h pour une nouvelle vidéo. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Également, liker cette vidéo et répondre à la petite question que je vous ai posée en début de vidéo dans les commentaires pour voir tout ça. Merci également infiniment pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait trop plaisir que vous voyez le travail que j'avais mis dedans, le nouveau montage et ce vers quoi j'avais envie de tendre. Et ça me fait juste trop plaisir que vous ayez pu le constater. J'espère que ça va continuer comme ça. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'est tout ce que je vous demande. Ciao, ciao.